Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la chaussure de randonnée Salerno de Mendel. Donc modèle homme, modèle femme, ils sont absolument similaires. C'est une chaussure qui a pris la succession de la chaussure Tampa. En fait, c'est exactement le même modèle qui a été légèrement relooké. Donc on est sur une chaussure souple, tige haute mais semelle souple, qui va convenir pour un usage sur des terrains faciles. Du terrain plat jusqu'à la moyenne montagne, mais en chemin confortable. Alors, je commence par vous montrer la semelle. Donc, comme je vous disais, on est sur une semelle souple, hein, ça plie vraiment facilement. On voit un peu le profil, c'est légèrement arrondi sur l'avant et sur l'arrière. Donc, vraiment, tout est fait pour qu'on ait un déroulé de pied très confortable. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça va être hyper confortable quand on va faire de la marche en forêt, sur du sentier de plaine ou sur du sentier de montagne, mais du sentier de terre assez confort. Là, on va être très agréable en déroulé de pied. Par contre, on va être beaucoup moins bien dès qu'on va marcher sur du caillou, puisque pour le coup, ça va plier tout de suite. Donc, c'est les articulations qui vont supporter le choc. En termes d'accroche, donc on est sur une semelle Vibram. On a quand même du crampon. Ça reste du crampon assez léger qui correspond à la vocation de la chaussure. Ensuite, en termes de chaussons, on est sur du chausson confortable, comme souvent chez Mendel, hein, avec extérieur cuir, un intérieur Gore-Tex, donc imperméable et respirant. On n'a pas de pare-pierre caoutchouc, hein, donc c'est du tout cuir. Là aussi, pour le confort de chaussons, agréable également pour la marche. Et là aussi, ce n'est pas prévu pour aller sur du chemin très très caillouteux. Et puis, une tige haute qui permet quand même d'assurer une bonne tenue de la cheville. Donc, ça veut dire que ça va convenir pour du chemin assez facile, mais on peut quand même aussi faire de la rando assez chargée, puisqu'on a quand même une tenue de la cheville qui est assez intéressante. En résumé, on est sur une chaussure qui va convenir pour de la rando courte à longue, donc y compris avec un sac à dos chargé, mais sur du terrain facile. Peu de dénivelé ou du dénivelé mais sur un sol régulier, puisque là ce qu'on va privilégier c'est vraiment le bon déroulé du pied, la souplesse de la chaussure. Vous la retrouvez sur rayonrando.com.